Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vous reviens donc pour on va dire le sixième volet de mes soldes. Donc c'est les soldes que j'ai fait donc je le dis souvent du donc hein, à Saint-Orens ou Leclerc, enfin Leclerc, pas dans le Leclerc, mais dans la galerie marchande de Leclerc et à Kiabi. Donc il y a du Sephora, du Pinky, du Jennifer pour une fois, du Adopt, ça c'est un dernier que je vous le fais, et du Kiabi de nouveau. J'ai refait Kiabi, bah, c'est vrai que ça valait le coup quand il y a des choses à moins de 70% avec les moins 20%, ça vaut vraiment le coup. Je vais commencer tout d'abord, vous avez pu le voir sur l'autre vidéo, ce que je porte. Alors pour une fois, vous allez le voir. Je n'ai pas montré mon corps, mais enfin. Voilà, donc c'est une robe. Alors elle m'arrive. Voilà, elle a un poil plus longue. Elle m'arrive à peu près au genou. Et dans le dos, c'est croisé comme ça. Mon Dieu, j'aime pas. Je m'aime pas, je m'aime pas. Donc je l'ai acheté à Jennifer. Je l'ai payé 5,99 € et je ne sais pas à la base à combien elle était. Mais je pense que elle n'était pas à 5,99 € de base. Ça devait être du 15 €, un truc comme ça à mon avis. Donc ouais, trop trop mignonne avec des petits imprimés fleuris là, bleu marine et rose. Rose corail, on va dire. Donc voilà, j'étais trop trop contente. C'est la seule chose que j'ai pris donc à Jennifer pour une fois que je trouve quelque chose. Il y avait des trucs pas mal, mais bon, pourquoi tout prendre, hein. Pas forcément les sous pour. Hein. Si j'avais eu les sous, c'est sûr que j'aurais pris plus de choses. Bref, je vais vous montrer ensuite Kiabi. Donc, Kiabi. J'ai pris pour ma pépette. Alors, Kiabi, de toute façon, j'ai pris que pour elle. Mais d'ailleurs, Kiabi, c'est pour elle. Et après, tout le reste, c'est pour moi, pour une fois. Donc, un petit t-shirt jaune avec un chat avec un quartier de pastèque sur la tête. Il était à 4 € de base, moins 30%. Ce qui fait donc du 2,80, donc moins les 20%, ça il m'est revenu à 2,20. 2,25. Ouais, 2,25. Donc pas mal du tout. Voilà. Ensuite, je lui ai pris un 3 ans. Ensuite, je lui ai pris un petit pull. Un 3 ans là aussi, mais je dis il est quand même assez grand, donc à voir. Soit ça lui fait loose là pour cette année, elle pourrait le mettre l'année prochaine, soit voilà. Donc il y a marqué Enjoy, ouais, avec des petites paillettes, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc c'est un relief, effet tapis, on va dire. Il était à 13 € de base, donc moins 70%. Ils disent qu'il y a marqué que ça en fait c'est des patchs. Donc il était donc à moins de 70%, ça faisait du 3,90 € et avec les 20%, il m'est revenu à 3,10 €. 3,10 € donc un pull assez épais, un poil plus long derrière que devant. Je l'ai trouvé tout mimi et voilà, il est bien épais donc j'ai dit pour cet hiver, c'est sympa comme tout. Ensuite, en 4 ans. Parce que voilà, je prends certaines choses en 3, surtout du 4 ans maintenant quand même. Donc, un petit débardeur mini. Allez, tu vas t'enlever toi. Voilà. Qui était de base à 5 €, donc moins 30%. Il va être où celui-ci? Je pense que ça m'a fait comme l'autre, quoi, à peu près. Ouais. Ouais, je suppose. Ouais. Parce que je vois pas le reste. Bon, bref, hein, je vais pas y passer 30 ans. Voilà. Donc il est trop chou. Je
je crois qu'il flash le nœud de minuit. Ensuite, je lui ai pris en 4 ans. Il faut que j'en mette de l'autre côté. Donc, une petite robe avec un petit nœud argenté sur le devant. Donc, elle est en bleu, bleu-gris un peu. Un bleu un peu terne, on va dire. J'ai trouvé super sympa. Donc, attachée avec des boutons à l'arrière. Elle était de base à 12 euros, donc moins 50%, donc 6 euros. 6 euros moins les 20%, elle m'est revenue à 4,80 euros. Donc je trouve, voilà, pour une petite robe, 4,80 euros, c'est pas mal. Je lui ai pris un petit t-shirt comme ceci. Voilà, un petit peu pailleté et tout, je trouve ça mignon. En gris, donc il datait, il avait, ouais, attaché comme ça derrière, il y a un petit trou là. Donc il était à 7 euros, moins 70%. Donc lui, je comprends pas trop leur truc. Hein. Ça, c'est le combi. Ouais, c'est ça en fait. C'est le truc, il est à 3,50, le débardeur. Allez, je vais y arriver, le débardeur mini. Donc 3,50 et elle est, avec les 20%, il m'est revenu à 2,80. C'est ça. Et là, voilà, ceux-là, ils étaient à 2,10. Avec les moins, celui-là, il est à 2,10, moins les 70%. Et avec les moins 20, il m'est revenu à 1,70. Ouais, c'est ça. 1,70, ça vaut le coup là aussi. Hein. Voilà, on y arrive à force. Hein. Du coup, celui-là aussi m'est revenu à 1,70 puisqu'il est au même prix. Voilà. J'aime bien cet effet, il est vraiment plus léger celui-là, je ne sais pas comment vous dire ça. La matière est différente, mais j'aime bien. Voilà. Et pour finir, je l'ai trouvé, ah celle-là je suis trop contente, une petite combi short, comme ceci, vous savez, qui se met un peu sur les épaules là. Je suis trop contente avec des petits perroquets, papillons, toucans, un peu de tout. Voilà, donc celle-ci, par contre, je la lui ai pris en 3 ans. Elle était à 6 euros, donc de base. 6 euros de base, donc elle passait à 4,20 euros. Moins les 20%, elle m'est revenue à 3,40 euros. 3,40 euros, franchement, je n'allais pas hésiter. Mais tant de l'avoir là-dedans. Voilà, voilà pour Kiabi. J'ai fini avec ce ticket. Waouh, 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 waouh. Ensuite, alors on va passer à Pinky. J'ai qu'une seule chose, donc attendez, je regarde que d'ailleurs ils vont fermer pour travaux là-bas. Donc pour ceux qui sont pas très loin, vous le savez, vous le saurez. Là, ils sont en train de tout vider. Voilà, voilà. Donc, je l'ai eu à 5 euros. C'est, alors que de base, il est à 15,99 euros. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal comme économie. Donc, c'est un petit haut qui, vous savez que j'aime bien en ce moment. Donc, ces petits hauts qui se mettent sur les épaules, là. Donc, à carreaux. Je l'ai pris en taille M. Me moule un poil, mais bon, voilà. J'espère toujours maigrir un petit peu plus. Donc, voilà, voilà. Donc, ça, c'est à moi. Ensuite, Sephora. Alors Sephora, Sephora, j'ai pris qu'une seule chose. Je trouvais qu'une seule chose. Il y en avait deux qui, il y avait autre chose qui me tentait, mais bon, ça faisait. J'allais pas prendre deux palettes, donc je me suis résignée à en prendre qu'une. De cette gamme-là, j'en avais vu plusieurs qui avaient acheté style vintage, un peu effet sépia.
Et là, moi, celle-là, j'ai pris la Simplest Filter. Voilà, hein? Vous connaissez mon anglais pourri. Donc voilà, donc c'est ces teintes-là. Mais je vais vous la présenter. Si j'arrive à l'ouvrir proprement, sans tout péter. Et donc, quand même, de base, je vous parle pendant que je l'ouvre. Hein. De base, elle était à 24,95. Chose que je n'aurais pas. Enfin voilà, je ne l'aurais pas acheté moi à 24,95. Surtout une petite comme ça. Et au final, elle était à moins 70%. Donc je l'ai eu à 7,49 euros. Pardon. Donc je trouve que là, c'est quand même beaucoup plus raisonnable. Alors j'adore, je kiffe le packaging. Il est magnifique. Carrément ça. Trop trop beau. Donc vous avez de nouveau les couleurs derrière. Et je vais vous l'ouvrir. Oh, elle est belle. Donc là, vous avez le miroir. Et je vais vous le cacher pour vous montrer. Voilà. Elle est trop 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 belle. Elle est canon. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Donc nickel. Trop contente, elle va atterrir dans ma palettothèque. Oui, parce que bientôt je vous ferai un room tour de ma pièce. Là, on est en train d'arranger un peu encore. Et donc je vous ferai un room tour de ma pièce et je vous montrerai ma palettothèque que mon mari m'a faite en palette. Voilà. J'ai eu deux petits échantillons. Le Flower by Kenzo. Voilà, donc toujours bien, bon à prendre. Et le Clinique Teint de Soie effet peau nue. Voilà, comme ceci. Comme j'ai dit, c'est toujours bon à prendre. Et pour finir. Adopt. Alors, comment dire? En fait, Adopt, il faut y aller à la fin des soldes. Parce que là, ils avaient mis. Alors, c'était même plus, c'était dans la galerie marchande carrément. Dans le couloir de la galerie marchande, ils avaient mis des tables dans pas mal dehors de pas mal de magasins. Et notamment, donc là, Adopt. Et alors, mi-soldé, mi-soldé, mi-soldé. Ils mettaient tout en avant, les trucs les moins chers. Enfin, bon, bref. Nickel. Du coup, j'ai pas hésité. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, attendez. Ça, je vous le montrerai en dernier. Alors, tout d'abord, je me suis pris. Alors, attendez, j'essaye d'enlever. Parce qu'en fait, j'essayais de regarder avant à combien il était. Ça, il ne marque pas. Enfin, il m'est revenu à 1 euro. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Mais après, il avait été soldé moins 70% et tout. Donc, ça ne doit pas coûter 2 euros, quoi. C'est un lait pour le corps pamplemousse rose, donc c'est de la gamme My Magic Christmas, donc de Noël. Mais je m'en fous. Alors je sais pas s'il est operculé, non. Il sent trop bon, trop trop bon. Et puis j'adore le packaging avec le bouchon rose gold, trop bon, trop trop bon. Ensuite, 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 j'ai pris. Trois ombres à paupières. Alors tout d'abord, j'ai pris une grise, ouais, gris bleu, comme ceci. Donc elles étaient à 1 euro. Je sais pas trop à combien elles sont en principe les ombres à paupières. Donc c'est la numéro 12 Blue Night. Est-ce que je vais réussir à les sortir? Allez, non. Elle est scotchée par le prix. Oula, elle a eu un souci. Je peux pas vous la présenter, il faut que je la montre comme ça. Parce qu'elle bouge en fait. Oh là là. Bon après. Voilà, ça donne ça. J'essayerai de voir ce que je peux faire. Mais elle est assez pigmentée quand même. Ensuite, j'espère que pour les autres, ça ne fait pas la même chose. J'ai pris la numéro 10 Aqua Nymph
Cypraea. Donc, qui est un vert. Non, ça, là, le tien. Comme ceci. J'en ai pas trop de ces teintes-là, donc je dis pourquoi pas. Ah, il est beau, hein, en plus. Hein. Regardez-moi ça. Ah, il est super beau. Et enfin, pour finir, j'ai pris. Alors, c'est fabriqué en Italie, je savais même pas. Pourquoi il marque ombre à paupières 2 en 1? Il marque ombre à paupières wet and dry. Si vous savez ce que ça veut dire, dites-moi. Je sais pas. Donc ça, c'est la numéro 8, Water Paradise. Donc ça, c'est bien mes teintes à moi. Elle est magnifique. Regardez-moi cette beauté-là. Elle est trop, trop belle. Oh là là. Là. Oh là là. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Ah, je suis ravie d'avoir pris celle-là. Les trois sont très belles. Mais alors, celle-là, elle est... Ah, elle est canon, hein. Elle est canon. Ah ben, franchement, si j'avais su, j'en aurais pris plus des monos comme ça. Parce que l'euro, quand même, ça va. Ça va, ça va. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais du sac? Je me suis pris un petit bracelet comme ceci, donc en perles. Voilà. Avec le fermoir comme ceci. De base, il était à 6,99€. Je l'ai eu à 2€. C'est quand même une belle économie. Il est super, super beau, je trouve. Bleu roi comme ça, mais vraiment avec beaucoup de reflets. Magnifique. Et alors, pour finir, les colliers, la plupart des colliers, étaient à 3€. Alors, attendez, parce que... Évidemment, il y en a deux qui se sont... je ne sais même pas lequel je vais vous montrer en premier. Quoi. Allez, si. Je vous montre celui-là. Alors, je me suis pris celui-ci. Il fait beaucoup de bruit, mais il est magnifique. Donc, à 3€. Donc, il y avait des petits tampons comme ceci. Mais bon, après, quand c'est posé là, ça c'est sur du carton. Mais posé sur la peau, ça va aller. Donc, comme ceci, il est en argenté. Un poil vieilli, on va dire. Après, donc, il y a des strass. Tout le long. Là. Donc, je l'ai eu à 3€. Mais le prix de base est quand même à 18,95€. Donc, comment dire que j'étais trop, trop, trop happy. Trop contente. Franchement, mais voilà. N'hésitez pas, si vous avez un adopt près de chez vous, foncez avant la fin des soldes parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai pris cette beauté. Regardez-moi ça pour les fêtes, là. Il est magnifique. Mais magnifique. Donc, 3€. Et vous savez à combien il est de base? 22,95€. Donc, comment dire que là aussi, j'ai fait une économie de folie. Surtout que 22,95€, moi, je n'achète pas. Ça peut être une bonne marque, un truc comme ça. Non, non, faut pas déconner. Et pour finir, un que je kiffe, mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc, il est toujours en argenté, puisque moi, je suis plus argenté. C'est celui-ci. Regardez-moi. Regardez-moi ça, comme il est beau. Ah, il brille de mille feux. Oh là là. Bon, il descend vachement bas. Donc, en fait, soit on met carrément super décolleté. Mais mon mari ne va pas trop apprécier. Soit vous mettez un t-shirt justement un petit peu haut et vous le laissez poser par-dessus comme ça. Donc ça habille un t-shirt tout simple, noir, un truc comme ça. Je trouve que ça peut être sympa. Et lui aussi, il coûte quand même de base 22,95€. Donc ouais, franchement, là pour le coup, j'aurais eu plus de sous, on va dire. Ouais, j'en raflais beaucoup plus parce que là, tout ce que... Ouais, je trouve que c'est juste énorme. 9€ pour 3 gros colliers comme ça. Ouais, c'est énorme, franchement. Mais écoutez, sur ce haul est terminé. Je fais quand même quelques petits achats. Je suis contente. J'ai aussi pensé
à une de mes copines YouTube, ça se reconnaîtra. Sur ce, mais voilà, je vous fais d'énormes bisous. Ah si, n'hésitez pas donc à partager, à liker cette vidéo et à vous abonner, bien sûr, pour ceux et celles qui ne le seraient pas encore. Je remercie encore mes abonnés de votre fidélité, vos commentaires, vos visionnages. N'hésitez pas à venir me parler sur Facebook, Insta, par email. Et que dire de plus? Que je vous aime très très fort. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!